Bonjour et bienvenue dans Picotard. Depuis quelque temps, un étrange signal lumineux interpelle les habitants du quartier de la Belle de Mai à Marseille. Il s'agit d'une œuvre de l'artiste Bruno Penado, figure incontournable de la jeune scène contemporaine. Cette œuvre sans titre s'érige sur le toit de la Friche à la manière d'un phare. Il s'agit d'un écran commandé électroniquement et qui génère de manière aléatoire une infinité de codes couleurs. Cette production fait directement référence à la dernière scène du film culte de Steven Spielberg, Rencontre du troisième type. Chez Penado, l'écran est orienté de manière à accueillir les nouveaux arrivants de la ligne TGV Méditerranée. Bruno Penado travaille ainsi. Il se réapproprie, remixe et nous confronte aux signes et aux images issues de notre monde contemporain. Pour cela, il a recours à des techniques ultra-modernes qui viennent infiltrer et télescoper nos systèmes de perception. L'œuvre est ici à décoder comme le symbole de mondes particuliers qui résistent à la rencontre et peinent à s'apprivoiser. Mais nous pouvons aussi y voir le reflet d'un quartier à l'identité recomposée, une véritable ode à la mixité pour une ville qui se doit de la porter.